Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Final Fantasy VII. Alors, dans la dernière vidéo, on avait commencé la quête du Chocobo d'Or, une quête qui est assez longue et fastidieuse, mais qui peut être sympa si au final ben, on prend son temps et on a envie de s'amuser tout simplement. Alors, moi j'avais galéré à obtenir un Chocobo bleu et un Chocobo vert de sexe différent. Donc je vous avais coupé une partie de la vidéo et je vous avais montré son obtention. J'avais galéré, hein, honnêtement. Du coup, dans la continuité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait accoupler le chocobo bleu femelle, qui s'appelle Choc, et le chocobo vert mâle, Choc aussi, pour obtenir un chocobo noir, qui est là, que j'ai appelé Cho. Hein, à chaque fois, j'enlève une lettre. Hein. S'il y en avait encore un après, je l'appellerais CH. Mais bon. Donc, on a obtenu, grâce au chocobo bleu et vert, un chocobo noir. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je suis allé au Gold Saucer et je les ai montés en rang A tous les deux, hein, le vert et le bleu. Du coup, ensuite, je les ai fait accoupler et m'est sorti le noir. Le noir femelle. Donc, maintenant, il faut obtenir un. Pas ce qu'il fait lui. Il faut obtenir un chocobo spécial pour le faire fusionner avec notre chocobo noir et enfin on obtiendra le chocobo d'or pardon. Donc du coup le chocobo spécial qui n'est pas si spécial que ça, c'est juste qu'il veut par moment casser les pieds, se trouve ici sur ces. Alors on va vérifier ce que j'ai. Bon, ça va, c'est la première, au moins comme ça c'est fait. Donc du coup, ben, allez, c'est parti. Donc le chocobo en question s'appelle le chocobo. Non, c'est pas le chocobo magnifique, c'est celui d'avant, le chocobo magnifique. Lui s'appelle le chocobo. Le grand chocobo, un truc comme ça. Alors, mais de toute façon, je sais qu'il est ici, hein, donc voilà, on va essayer d'en capturer quelques-uns. Et donc il me faudra un chocobo, un grand chocobo de sexe masculin. Et ensuite il faudra retourner au Gold Saucer pour les amener tous les deux au rang A et les faire accoupler ensemble. Et si tout va bien, on obtiendra un chocobo d'or. De toute manière, à la fin de cette. Ah merde, j'ai le matériel qui est fini. Enfin, je dis merde, mais je suis content. Hein. Hop. C'est juste que. Oh putain, c'est longue portée. Oh. Juste maintenant. Ah non, c'est restauré. Putain, tu choisis mal ton moment avec ton restauré au maximum là. Ben écoute, garde-le, on verra plus tard. Hop. Ouais, en plus, si je l'enlève, la matériel à restaurer, je vais me retrouver avec guérison niveau 1. Pas terrible. Hop. Ah, ça y est. Alors. Bon, donc. Hop. Allez. Alors, bah, je sais pas, on va essayer d'en capturer 4. On va voir. Si j'ai un peu de chance. Ok, 2. Alors, sinon, le programme du Let's Play, bah, là, on va essayer d'obtenir le Chocobo d'or. Et une fois que ça sera fait, on s'attaquera au Battle Square. Qui est un des derniers jeux à faire au Gold Saucer pour obtenir la dernière limite de Cloud Omni Slash. Hop. Et pour obtenir également des matérias qui nous manquent. Donc bon. Je pense qu'on s'attaquera à ça dans la prochaine vidéo. Après, hein, si j'ai d'entrée un chocobo mâle nécessaire à l'obtention du chocobo d'or,
et que j'ai le chocobo d'or de suite, bah si ça va vite, hein, on commencera le Battle Square. Hein. Hop. Mais bon. En tout cas, voilà, je sais que je perds un petit peu de temps en faisant cette quête, mais j'espère que ça vous plaît de la voir. Ah, vous présenter un let's play à 100% de Final Fantasy VII et ne pas vous montrer comment obtenir le chocobo d'or à la régulière, puisque je vous rappelle qu'il y a une autre solution, je trouve que c'est un peu dommage. Hein. Donc, je préfère prendre mon temps et vous proposer un let's play complet. Enfin, j'essaye de le faire le plus complet possible. Donc là, ouais, si on réfléchit bien, on avance vraiment vers la fin du jeu, quoi. Ouais. Il nous reste quoi? Le chocobo d'or qu'on va essayer d'obtenir dans cette vidéo. Il nous reste à obtenir les dernières matérias et la limite de Cloud au Battle Square. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les deux armes. Ouais, l'arme sous l'eau et l'arme dans le sable. Voilà, après il nous restera à obtenir les dernières materia ultime. Et ensuite il nous restera notre ami Sephiroth. Donc bon, ça va, ça. Il y a encore des petits trucs à faire. Bon, j'en ai pris 3, vous croyez que ça suffit 3? Mais bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que en général j'ai pas de chance pour tomber du premier coup. J'en prends un quatrième, on sait jamais. Ouais, attends, on va le faire là. Allez. Boutons légumes. Ah ouais, c'est bon. Hop. Allez. On va voir si on a un peu de chance. J'espère. Allez. Hein. Dis-moi que. Un peu de cure. Il me faut donc un choco, un grand chocobo ou un long chocobo, je sais plus comment ils appellent ça. Et mal. Eh ben, c'est clairement pas celui-là. Oh putain, sérieux? Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est peut-être parce que le. Bon. Eh ben. Complètement raté, hein. Allez, on va le refaire. Hein. J'en ai pris 4 hein, et sur les 4, ils avaient les 4 le Skinfus. Oh putain, c'est pas de chance. Hein. Bon, ben, Battle Square, hein, ça sera pas pour cette vidéo. C'est incroyable. Allez alors. Ah, on va obligé de. Obligé de faire le con. À essayer d'obtenir. Beau chocobo. Ah
en prendre 4. Hein. Allez alors. Et d'un. Oh. Et de deux. Allez, hein. On va essayer d'obtenir encore deux. Ah, c'est bien, ça va vite comme ça. Oh putain, j'ai peur qu'il massacre le chocobo. Ah, ça fait 3. Allez, encore un. On a presque atteint notre objectif. Ne désespérez pas. On va y arriver. Casse-toi. Hop. On va en prendre un autre. Un collègue à moi qui m'avait dit que... Oh, et merde. Qui m'avait dit en fait que le... les grands chocobos, ils apparaissaient pas avec les loups. Je sais pas si c'est vrai. Mais... On va lui faire confiance. Hein. Ah, c'est pour ça que là, je le laisse partir à chaque fois. En fait, apparemment, s'il y a des loups, ben, il apparaîtrait pas. Je sais pas, à vérifier. Ça, c'est à un moment donné, là, j'en ai... il y avait deux lapins, et donc on pourra vérifier. Ah ben voilà. Voilà, il n'y a pas de loup. Hein. On va voir. Hein. Allez. On va voir si on a un peu de chance. Je me demande comment le chocobo il fait pour arriver avant moi. Hop. Allez. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, voilà. Un grand chocobo. Allez, dis-moi que c'est un mâle. Un mâle. Oui, un mâle, enfin. Bon. Et le dernier? Par curiosité, pour savoir si mon collègue il avait raison. Oh là là. Bon. Je veux savoir s'il avait raison ou pas. Donc celui-là, je sais pas s'il y avait un lapin ou pas. Enfin, un loup ou pas. Ah ouais, peut-être. Ah peut-être. Donc voilà, petite dédicace à lui. Hein. Effectivement, il semblerait que s'il n'y ait pas de loup pendant le combat, eh ben les chocobos, ce sont des chocobos, des grands chocobos quoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, il faut leur donner à manger. Ah ouais, c'est. Alors, on va nourrir le noir. Allez, hop. On va lui en donner, comme d'habitude, 98. Voilà. Voilà. Maintenant, on ressort. On fait un combat.
si tu veux, hein, un combat chocobo, hein. Peu m'importe. Ah merde, c'est les légumes Gisal. Je m'en fous des légumes Gisal, moi. Putain. Silky. Allez, alors, on est parti. 4,99. Allez. 27. Bon, voilà, on a fait le plus dur. Je pense qu'on a fait le plus dur. Maintenant, il va falloir les monter. Il va falloir faire le plus long. Les monter en classe A tous les deux. Ah bah putain, ça me paraît infini. Oh. Allez. Et je me fais attaquer là, ça m'énerve de me laisser fracasser. Hop. Ah ouais, ça c'est bon. Ah, c'est le kiss. Non, toi t'as assez bouffé. Oh, voilà. Je crois que je vais l'enlever le femelle parce qu'il risque de m'induire en erreur. Je lui mets dans la gorge 98 légumes. J'espère qu'après il va courir encore plus vite. Bon, alors relâcher. Donc j'ai le femelle et le mâle. Relâche la femelle. Voilà. Allez, maintenant on va les monter en rang A. Obligé. Ouais. Si je vais pas dans la bonne direction qui est ici. Hop. Allez. Bon, voilà. Ah, on va la finir cette quête dans cette vidéo. C'est obligé. Ah mais on va y arriver, on va y arriver. Allez, go. Ah. Putain, c'est pas vrai, je me suis trompé d'endroit. Allez, hop. Chaud. Bon. Ah, c'est bon d'avoir un chocobo noir. Allez, il en voilà. Ah, ça c'est fait. Ah, maintenant il va falloir essayer d'obtenir tous les objets qu'il y a de possible à remporter. Hop. Au chocobo chocobo racing, hein. Wow. Wow, c'est même pas la peine de forcer, hein. Ils me rattraperont jamais. Qui est là. Bon, après on s'est rendu fou pour en arriver là, donc c'est normal que l'on puisse profiter au maximum. Allez, hop. Du coup, vu que j'ai le chocobo noir, je me demande s'il peut avoir un autre chocobo noir. Ça serait rigolo. Bon, enfin, rigolo, il va me casser les pieds, c'est tout ce qu'il va faire, mais bon.
Encore j'ai cassé les pieds pour pas dire autre chose. Alors vous savez ce qui va être long en fait, ça va être d'obtenir ces fameux objets que je vous parle. Parce que de mémoire, il faut être en A+ pour obtenir les meilleurs matériaux. Hein. Mais bon. On verra quand ça sera le moment. Pour moi, vous voyez doucement, doucement. Là, il n'y a que des objets pourris, hein. Forcément. On joue contre des... Eh merde, on joue contre des ânes, donc comment... Ah, tranquille. En plus, ils ont même pas traduit les objets, alors je sais même pas comment ils vont s'appeler. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a... De mémoire, hein, honnêtement, de mémoire, ce que je me souviens, c'est qu'il y a... il y a la matériel pour attaquer le premier. Et attaque préventive, ou je sais pas comment ils appellent ça. Et je sais qu'il y a le repousse ennemi aussi. Mais bon. Voilà. Donc bon, rien que ces deux matérias, il me les faut absolument. Hein. Sans ces matérias, c'est pas la peine. Hein. On vise le 100%, il faut absolument avoir toutes les matérias obtenables, susceptibles d'être obtenus, on va dire. Voilà, donc lui c'est bon. Ensuite, bon, vous avez vu, c'est un grand chocobo, mais il a 103 de vitesse et 999 de résistance. Hein. Donc, il est costaud le garçon. Et il est naturel. Enfin bon, je l'ai un peu dopé de légumes, mais je veux dire, il est... L'autre, il est quand même issu d'une famille de dopés. Hein. Il s'est pris les deux chocobos magnifiques. On fait le vert, puis on fait le bleu, qui eux aussi ont eu leur dose de légumes. Donc bon, tu vois, il est 100%, enfin 100% peut-être pas, mais il est, on va dire, un peu plus naturel, quoi. Ah, et ça c'est beau. Ah, donc bon. Hop. Donc là, une fois que j'aurai monté le dernier chocobo, je pourrai tenter d'obtenir le chocobo d'or. Hein. À suivre. À suivre. Allez, ça se B. Voilà. Et heureusement qu'il y a vitesse x3, sinon, ouf, comme ça serait long. Alors du coup, au niveau des classements, vous avez compris qu'il y a la classe C, la classe débutant, la classe B, hein, des moyens, la classe A, des bons,
Et après la classe A, il y a la classe des A+. Eux, c'est les très bons. Si vous remportez... Je sais plus combien c'est de manches en A+. Vous avez Esther qui vous récompense avec des objets... J'ai envie de vous dire rares, mais ouais, ils sont rares. Hein. Je sais plus ce que c'est. Hein. Donc, je vais vous dire qu'ils sont rares. Hop. Ouais. Ouais, donc bon. Et pour ça, que quoi qu'il arrive, il faudra remporter 5 courses en A+. Pour obtenir ces fameux objets. Alors, c'est bon là? Voilà. Allez, on s'arrache. Hop. Non. Là. Voilà. Tac. Ah, vous avez vu qui est là-bas? Je vous l'ai jamais montré, lui. J'ai pas eu l'occasion de tomber dessus. En fait, c'est un mec qui vous échange des gilles sans GP. Donc, ça peut aller jusqu'à 100 GP. Bon, moi, j'en ai pas besoin. Donc, je vais lui en prendre 30, histoire de faire marcher le commerce. Hop. Voilà. Et moi, je sais que lors de mes premières parties, j'avais besoin de ces services. Parce que j'avais pas assez de GP et ça me gavait. J'avais envie de... Ben, je sais plus ce que j'avais envie de faire. C'était peut-être le Battle Square. Non, je sais plus ce que c'était. Et donc du coup, ben, j'étais allé le voir. Et donc ce monsieur vous échange des gilles sans GP. Très utile, hein, encore une fois, si vous êtes en manque de GP. Et puis ben, je suis content qu'il soit apparu, parce que comme ça, ça me permet de vous montrer encore un petit plus, quoi. Une petite aide. Je veux pas dire une astuce, c'est pas une astuce, hein. Allez, on va save. On va voir combien de temps on est. On est bien. 25 minutes. Parfait. Allez, dis-moi que c'est le chocobo d'or. Enfin, on va voir. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Je vous parle d'obtenir le chocobo d'or, mais si je vais pas chercher la noix qui permet de l'obtenir, ça va être dur. Hein. Alors, en fait... je sais même pas si j'ai pensé à la récupérer. Alors. Ah ouais, je l'ai. Le problème, c'est que j'en ai qu'une. Ça marche pas trop. Bon. Putain, je sais même plus où c'est qu'on... c'est l'île des gobelins, là. Non, c'est pas là. Ah si, bon, autant pour moi. Bon, je me rappelais que c'était l'île des gobelins, mais... Allez, hein. Ah, une étoile. Allez, on n'a rien vu. Oh là là, ils vont me casser les pieds maintenant à obtenir la bonne... Bon, l'île des gobelins où il n'y a pas de gobelins, franchement, c'est pas marrant. Noix de pépio. Bah, les couilles. Ouais. Ah! Alors, est-ce qu'il faut les voler? Bon, on va un peu en éclater quelques-uns là. Bon, allez, c'est bon, on va tous les tuer maintenant. Ah, ouais. Ils rapportent rien. Hein. Ils rapportent rien, mais ils ont le talent ennemi Gobbly Punch et la noix de Zeyo. Donc, bon, c'est quand même un truc à savoir. Allez, on recommence. Ouais, pourquoi je l'ai fait alors que j'avais déjà une noix? Bah, c'est pour garder... Eh merde, j'ai sauvegardé par-dessus. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors. Apprivoiser.
Allez, on est parti, croisons les doigts. Chocobo mâle et chocobo femelle. Vous êtes prêts? Va-t-on avoir le chocobo d'or? Réponse dans quelques instants. Allez, c'est parti. Alors, la pression. Attends, j'aurais peut-être le trophée avant. Non? Perdu! Pas de chocobo d'or. Donc, pas de chocobo d'or. On dit, allez vous faire foutre, je charge la partie. Aïe, c'est pas croyable ça. Putain. Tout pour faire perdre du temps. Mais c'est incroyable quand même la malchance que j'ai sur ce truc à la con là. Qui sont dus au hasard, c'est un truc de malade. Hein. Aïe. Pourtant c'est ça, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, il est là. On va l'appeler CH? Non. Je sais pas comment on va l'appeler. Comment on va l'appeler? Il a une sale tête quand même. Je sais pas, bon, on va l'appeler. Ouais, je suis pas inspiré. Donc, on a enfin le chocobo d'or qui est là. Allez, alors, vous savez ce qu'on va faire? Non, on va pas sauvegarder de suite. Déjà, on va enlever ce matériel de merde, j'en aurais plus besoin. Ça m'aurait bien servi. Yuffie, ma petite Yuffie, on prend ça. Et toi? Ouais, t'as qu'à prendre ça pour l'instant. Alors ça, c'est fait. Combat. Ben, je pensais qu'il y avait un trophée pour l'obtention du chocobo d'or. Visiblement non. Alors... Et je sais pas, en tout cas j'en ai pas obtenu. Alors est-ce qu'il est long à la détente? Je sais pas. Ça c'est sûr, c'est que on va... mettre un bloc de légumes. Donc vous avez vu qu'on a obtenu un chocobo d'or. Enfin. Maintenant, on va le faire bouffer au maximum. Et une fois qu'on l'aura fait bouffer au maximum, on ira chercher les trésors qui ne sont récupérables qu'à dos de chocobo d'or. Et ouais. Bon, la dernière fois, on avait réussi à tromper le jeu. Et en obtenir un plus tôt que prévu. Mais là, cette fois-ci, on va pouvoir les obtenir honnêtement. Allez. Ah bah c'est bien, j'ai toutes les couleurs. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Toujours garder un dans l'inventaire. Voilà. Ensuite. Allez. Alors, maintenant qu'on a le chocobo d'or, les amis, on est parti. Par où va-t-on commencer? Alors, on va commencer par là-bas.
Bon, on dirait que un bug ou je sais pas, ouais. Mais non. Et là, nous avons un cratère. Petite musique tranquillou. Et là-dedans, nous avons. Au cours des années, l'énergie Mako se cristallise à Materia. Materia, chevalier de la table ronde. Ah bah voilà, trophée, chevalier de la table ronde. Ah, peut-être qu'il n'y avait pas de trophée pour Chocobo d'or. Je sais pas. En tout cas, Idune. Bon, la deuxième se trouve en bas. En fait, c'est simple, c'est dans les quatre angles de la carte, hein, il me semble. On va voir. Donc le deuxième. J'ai fait exprès. Le deuxième, elle est là. De Materia, c'est quadruple magie, mais bon, comme je vous ai dit, on l'a récupéré avec l'aide de l'avion là. Partons pour la troisième. La troisième. Ah non, c'est vrai que. Non, je vous dis des bêtises. La troisième, elle se trouve pas dans un angle de la carte, elle se trouve au début du jeu. Dans un endroit inaccessible, complètement inaccessible. Je vais vous montrer si j'arrive à le retrouver déjà. C'est. Putain, j'ai l'impression d'être dans Final Fantasy IX là. Faire n'importe quoi en haut des montagnes. Mais bon, hein, j'ai tellement galéré pour l'obtenir, je vous l'or. Non, apparemment ce n'est pas ici. Ça doit être sur l'autre continent. J'ai dû confondre le continent. On va voir. Ah, ils se ressemblent tous aussi, les trucs. Ouais, c'est ici, je crois. Non? Pas par là? Oui, c'est ici. Alors, vous voyez qu'ici, cet endroit-là, qui est bah, basique, eh ben, en fait, il est non accessible, donc inaccessible, en buggy. Il est inaccessible en avion et inaccessible avec tout autre chocobo que le chocobo d'or. Qu'avons-nous à l'intérieur? Toujours cette délicieuse musique. Materia HP MP. Donc ça, c'est une materia qui échange, enfin qui intervertit les MP et les HP. Ça, c'est la troisième materia. J'allais vous dire ultime, mais non, hein, on va dire troisième materia. Enfin, ouais, troisième materia que l'on peut obtenir uniquement en chocobo d'or. La dernière, je crois qu'elle est au fond de cet endroit. Ben non, c'est pas ici. Où c'est qu'elle est la dernière? Je me rappelle plus trop. Genre, c'est des trucs que vous faites une fois et après vous ne calculez plus ces trucs. Hein. À moins que ce soit au fond. Je sais pas, on va aller voir. En plus, ce qui est chiant, c'est que la dernière qui me manque, c'est celle qu'il me faut absolument. Je sais plus où c'est. Bon, on va refaire en arrière. Donc c'est pas là, pas là, pas là, pas là. Ah, c'est là. Voilà. Donc vous voyez encore une fois que c'est inaccessible partout. Et dans cette grotte se trouve peut-être la meilleure materia du jeu. Une des meilleures. Materia mimée. Bon, inutile de vous dire que d'entrée. On va se la mettre. Voilà. Donc mimer qui permet de mimer la enfin de faire refaire la même attaque que vous venez de faire précédemment. Donc exemple bête, si vous faites les chevaliers de la table ronde avec Yuffie et que vous faites mimer avec Cloud. Eh bien, Cloud va lancer les chevaliers de la table ronde. Ce qui fait de cette materia une des meilleures materias du jeu. Car elle vous use aucun MP. Ou je sais plus en fait si elle les use ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça vaut le coup. Alors,
On va essayer de finir cette quête des chocobos. Hop, toc. Allez, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Voilà, hop, hop, hop. Toc. Bon, voilà, ça c'est fait. Du coup, on a récupéré toutes les matérias qui étaient dispersés sur la carte. Donc on a récupéré la matéria mimée, la matéria chevalier de la table ronde, la matéria... ah, il y a encore mon collègue au fond là-bas. la matéria qui permet d'inverser les HP et les MP, donc HP-MP. Et l'autre, on l'avait déjà, c'était quadruple magie. Allez. Ah merde, j'ai pas vu celle. Ouh, je crois qu'il est rapide. Hein. Oh, mais arrêtez-le. Ah, ça, c'est fait. On va voir un petit peu ce que le jeu nous propose. Oh putain, ça va être trop long là. Bon. Et ouais, donc là, je vais de toute manière me rendre fou à obtenir. Ouais, super, j'ai gagné un calmant. Je lui parle de devenir fou, il m'a dit ok, je te donne un calmant. Calmance. Voilà. Ouais, il va falloir que j'obtienne les derniers objets de du chocobo chocobo square. Malheureusement, c'est assez aléatoire, donc je pense que je vais très certainement essayer d'obtenir les derniers objets de Esther. Et puis, bah, quand je les aurai, je sauvegarderai. Et je vous les montrerai la prochaine fois, je pense. Je pense que je vais faire ça. On verra, on verra. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Là, il y en a pourquoi. Je mets environ une minute par course. Bon, ça va. Ça... Et encore, peut-être un peu moins. Bon. En tout cas, voilà, on a obtenu le chocobo d'or. Je suis assez content. Parce que, franchement, ça fait plaisir. Ah bien. Hop. Hop, j'ai même pas vu la récompense, on s'en fout. Hop. Ouais, ça fait plaisir d'avoir le chocobo d'or parce que ben ça, vous voyez, ça fait partie du genre de choses que quand je dis oh putain FF7, chocobo d'or, oi 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 oi. Voilà, c'est vrai que beaucoup dans les commentaires m'ont dit oh, tu vas galérer avec les armes et tout. Bof, franchement les armes elles me font pas plus peur que ça. Hein. Sûr que je vais certainement un peu galérer, mais bon après j'affronte les boss les plus forts du jeu donc. Mais bon ça va, franchement ça va. J'avais plus d'appréhension, mais j'en ai toujours d'ailleurs, d'obtenir le chocobo d'or et toutes les récompenses nécessaires pour finir cette quête. Parce que ben, l'arme dans la mer ou l'arme dans la terre, hein, dans le sable, ben, elles ont leurs points faibles. Hein. Enfin, si on peut appeler ça des points faibles. Mais bon, on verra quand ça sera le moment. N'oubliez pas que on va d'abord essayer d'obtenir Omnislash. Parce que bon, ben, Omnislash, il va m'être très utile pour la suite du jeu. Ce qui est bien, c'est que plus j'augmente dans les courses et plus bah, les chocobos ils sont rapides, donc du coup bah, on attend moins. Là vous voyez, ils sont déjà arrivés. Hop. Allez, donc là je suis devenu rang A, voilà. Ça y est, rang A. Bon, bah, je vois que ce qu'il y avait à gagner c'était la merde, donc celui-là on va le faire sérieux quand même. Non, je rigole, même pas là. Pas la peine.
Hop. Voilà, bon, du coup, bah, c'est bien, ils vont pas tarder à arriver. Voilà. Eh merde. Non. Hop. Non, toujours pas d'objet intéressant à gagner. Bon, bah t'en auras un plus, hein. Au revoir. Allez, encore une course et on passe en plus. Bon, vous voyez que le chocobo d'or issu de parents qui sont plutôt forts, bah, ça fait que le chocobo il est vraiment très fort, hein. Ah ouais. Je sais même pas. Donne-moi des GPS. La catégorie S? Ah bah avant c'était A+. Bon. Ah ouais. Quoi? Tifa? Vas-y, hein. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Swift Bolt, potion et counter. Putain, c'est horrible, ils ont pas traduit, je sais même pas ce que je vais gagner. Bon, bah déjà on va essayer de le gagner et après on verra. Et donc c'est Tifa qui se lance. Qui se lance dans les courses. Hein. Mais Tifa là, j'ai dit, oh là là, moi je fais que le rang S, hein. Je vais pas me rendre fou à faire tout. Alors, du coup j'ai gagné Swift Bolt. Je sais pas ce que c'est. Donc là je vais prendre l'objet. Hein. Foudre. Mais attends, foudre, c'est quoi? La matière à foudre? Non. Je sais même pas ce que c'est, foudre. C'est quoi, foudre? Qu'est-ce que c'est que j'ai gagné? Je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas. Pas de matière à foudre. Je sais pas ce que j'ai gagné. Foudre, ça veut rien dire. Et après on vous dit que... Bon, ils vont pas gagner. Enemy away. Je crois que c'est ça moi qu'il me faut. Enemy away. C'est repousse ennemi, enemy away. Vas-y, dégage toi que je gagne. Merde. Hop. Foudre. Je sais même pas ce que c'est. Allez, on va voir. Bon, dis-moi que je gagne Enemy Away. Eh merde, j'ai gagné Swift Bolt. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans les réponses récompenses aléatoires. Enemy Away encore. Oh, Magic Hunter. Je l'ai pas celui-là aussi. Putain, hein. Voilà, voici les récompenses qu'il me faut. Bon, avant d'avoir les récompenses, j'ai 2 chances sur 3 d'obtenir un truc que je veux. Je vais y arriver. Putain, mais c'est pas possible d'être noir comme ça. Putain. Hein. C'est rien. Hein. Continuons. Hein. Snake Attack. Je sais pas ce que c'est. Oh putain, il y a le chocobo noir. Je me méfie de lui. Tiens, le chocobo... Oh putain, où? C'est chaud. Ah, Snake Attack. Je sais pas ce que c'est. Non, je veux l'objet. Ah, attaque furtive. Ah, ben voilà. J'ai déjà gagné une matéria qu'il me fallait. Snake Attack, quoi. Attaque de serpent, ou je sais pas. Bon, maintenant, il me faut Enemy Away. On va essayer, hein. Oh, jamais il lâche la ferme. Bon, Enemy Away, ça doit trop pousser ennemi. Ah oh, putain, méga elixir, je m'en fous de ton méga elixir.
Cat's Bell. Je sais pas, c'est quoi le. Comment on peut traduire ça, le. La cloche du chat? Con comme nom. Bon, de toute façon, je vais pas le gagner, je vais gagner encore un objet pourri. Hein. Voilà les. Elixir. Magic Hunter. Oh, c'est ça, hein. Oh, il me colle au cul, là. Tiens. Ah, Magic Hunter, gagné. Objet. Opposition magie. Ben, je l'avais pas. Bon, il me reste à gagner... Counter. Putain, je sais même plus ce que c'est ça aussi. Counter, c'est contre-attaque, je pense. Contre-attaque, je m'en fous, je l'ai. Non, moi, ce qu'il me faut, c'est Enemy Away, là, je sais pas quoi. Swift Bolt. Foudre. Bon, tu vas me les donner, tes récompenses, là? Elle veut plus les lâcher, maintenant. Pas, moi, est-ce qu'ils échangent? Ah, Enemy Away. Oh putain, les trois, je les. Voilà, les trois, je les ai pas. Donc là, franchement, je suis obligé de gagner quelque chose. C'est. Je sais pas. Oh putain, ouais. Encore faut-il gagner. Ah, avoir le noir au cul. Hein. Ah. Oh putain, j'ai perdu. Ah, je le déteste ce jeu. Putain. Ah ouais, c'est pas grave. Hein. Ouais, de toute façon. Hein. Ouais. Ouais, de toute façon, voilà. Ennemi away, ça doit être repousse ennemi. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Allez, Swift Bolt. Oh, tu l'as. Elle donne plus les objets, hein. Je sais pas, elle veut plus les donner. Ennemi away, c'est bon, il est. Oh putain, l'autre aussi. Ah, c'est un truc de malade comme il est fort lui. Hein. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Bon, surtout que je joue en vitesse soit 3, un peu à la 4 spells, snake attack. Ouais, bon. Oh putain, il est encore là. Ah, il est vraiment très très fort. Je sais pas combien il a de vitesse, mais. Ah, si tu veux. Ouais, voilà, il y a des trucs pourris. Hein. Il y est pas. Oh. Merde, j'ai même pas vu ce que j'ai gagné. Attaque furtive, ça en fait deux. Ah, depuis Joe, c'est la première fois qu'un joker remporte autant de victoires dans la catégorie S. Basket. Montre précieuse. Clochette de chat. Choco bracelet. Contre-attaque. Oh, en fait, toutes les merdes que tu avais, tu me les as données, quoi. Bon, alors. On va regarder un peu ces trucs qu'elle m'a donné, là. Donc, clochette de chat, montre précieuse, choco bracelet. Wow, c'est des trucs... Restaure HP lorsque tu marches, te place en hâte, c'est bien ça. Hop. Ça sert à rien, ok. Et superbe montre. Ouf, zéro, j'ai défense zéro. Ok. Voilà, bon, bah... Je pense que la vidéo, on va l'arrêter là. Moi, je vais quand même insister jusqu'à obtenir... Ouais, je m'en fous des récompenses qu'il y a à gagner, là. Je crois qu'il me manque que le... Ah, mais c'est vrai que le Black... Le... Je l'ai battu, hein. Le Black... Black Chocobo. Ah. Clochette de chat. Ouais, super.
Ouais, il me manque que le... Oh là là, il est pas gagné. Marche, je me donne 3, je m'en fous puisque il n'y a pas ce que je veux. Il me manque que le truc des ennemis là, repousse ennemi et... Ah, ouais, je m'en fous de gagner ou perdre, il n'y a pas ce que je veux. Et ça aurait été parfait que je le gagne dans cette vidéo, moi j'aurais tout eu. Allez, Magic Counter. J'ai su déjà. Magic Counter, ouais, c'est opposition magie, je suis bête. Bon, c'est pas. Méga élixir, ouais. Allez, ça c'est... mais ce... Ça aurait été vraiment le top si j'arrivais à l'avoir. Putain, il est pas... Non, toujours pas. Il faut insister. Insistons, insistons. Hein. De toute façon, je peux faire que ça. Hein. Espérons que la vidéo ne coupe pas. Dès qu'elle est susceptible de couper à tout moment. Pas de faire chier, là. Pas ça que je veux, moi. Non, toujours pas. Ouah, les sprint shoes, c'est les baskets. Je les ai, les baskets. Et lui, je vais les... Gave d'être en première position. Allez. Enemy away. Allez. Oh putain, il est là. Bon, déjà j'ai gagné. Putain, c'est pas de cul, c'est pas croyable. Allez, dégage. Bon, bah on va continuer. Hein. Enemy away, allez, il y a encore. Oh putain, l'autre aussi, il y a encore. Oh putain, il m'est passé devant. Bon, de toute façon, hein, je gagnais pas ce qu'il y avait à gagner. Donc, hein. Voilà. M'en fous de ce que vous avez à me proposer là, putain. Oh, une 4 belles. Allez, on prend. Oh, clochette de chat. Bon, en tout cas, la... Oh. La quête du Chocobo d'or est terminée. Hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera si jamais un jour vous avez envie d'obtenir le Chocobo d'or. Oh, bon. Ça aurait été la cerise sur le gâteau si j'avais pu avoir. Mais non, il est pas. Hein. Belle clochette de chat. Allez, une dernière. Ah ben voilà. Oh, Choco Bracelet. Ouais, non, je l'ai. Dis-moi qu'il n'y a pas le black. Pas le black. Oui, il n'y est pas. Voilà, on se retrouve. J'ai coupé un peu la vidéo et je vous montre le moment où j'obtiens Enemy Away.
qui est la Materia repousse ennemi et qui conclut donc la quête du Chocobo d'or. Voilà, on a fini avec le Chocobo d'or. Sauvegarder, vous montrer un petit peu. Oh oui, allez. Alors au niveau des matérias du coup, donc on a récupéré. Ah ouais, bon, alors attendez, parce que là on a gagné 50 qui servent à rien. Contre-attaque, on va le mettre pour le moment. Et bien là, voilà. Bon, attaque furtive, vous avez compris que j'en ai quelques-unes en trop. Voilà, donc on a récupéré attaque furtive qui permet de attaque préventive en usant de matériel double. Ça vous permet, je sais plus, ça vous permet de surprendre les ennemis, voilà, de les prendre par surprise. Opposition magie, ça vous permet de contre-attaquer, je crois, quand vous recevez une attaque magique, je sais plus non plus. Et repousse ennemi, voilà, réduit la fréquence des rencontres. C'est un plus aussi, hein. De toute façon, le but c'était de trouver toutes les matérias qu'il y avait à récupérer. Hop, alors je vais sauvegarder. Je vais m'arrêter là. Ou pas, je sais pas. En tout cas, je vais sauvegarder là. Et puis peut-être qu'on va se retrouver dans quelques instants parce que j'ai envie de vérifier quelque chose. Donc, je vous dis peut-être à de suite. Plus de 20 000, il faut. Ah non, c'est 1 000. Ah bon, ça va. Alors normalement, fouet. Parfait, c'est ce que je voulais. Allez, donc du coup maintenant on va aller sauvegarder, on va regarder ce que c'est le fouet. C'est une arme pour Cid. Oh, comme il me semblait bien. Hop, station, et voilà. Et voilà, cette fois-ci, on va sauvegarder. Donc bon, je vais un petit peu couper les vidéos de façon à ce que ça fasse une vidéo, on va dire, de moins d'une heure. Ouais, on va essayer, ou une heure, on va voir un petit peu comment ça va se terminer. Mais du coup, voilà, dans cette vidéo, je termine la quête des chocobos, puisque on a obtenu tout ce qui était possible d'obtenir avec le chocobo, enfin le chocobo square. Et par la même occasion, puisqu'on y était, comme vous avez pu le voir, j'ai joué au speed square,
Et je vous avais, comme je vous avais dit, il y a une petite astuce, hein, même si bon, le jeu, à force de le faire, au bout d'un moment, on a envie de vomir. Mais si vous arrivez à choper l'hélice, hein, je vous ai fait une vidéo à ce près, l'hélice du porte-avions jaune, enfin c'est pas un porte-avions, c'est un aéronef, ou je sais pas trop ce que c'est. Eh ben, vous avez vos points qui explosent, donc voilà, donc c'était l'objectif. Et si vous faites le jeu en ayant encore Aerith dans l'équipe, vous gagnez l'objet parapluie qu'on a eu. Et si vous faites le jeu et que vous gagnez autant de points après avoir obtenu votre vaisseau, hein, le Auvent, vous gagnez une arme rarissime pour Cid qui s'appelle le fouet. Voilà, c'est le seul endroit où vous pouvez gagner cette arme. Donc du coup, voilà, je vous ai fait un petit concentré de tout ce qu'il y avait à gagner. Et dans la prochaine vidéo, eh ben, on s'attaquera au Battle Square pour obtenir la dernière limite de Cloud et les objets qui sont susceptibles d'être remportés au Battle Square. Je crois d'ailleurs que c'est au Battle Square qu'on obtient on obtient invocation W. Il me semble bien que c'est là-bas qu'on l'obtient. Donc en fait, ça vous permet d'envoyer deux invocations en même temps. Donc c'est plutôt cool. Mais bon, comme d'habitude, nous, dès qu'il y a un objet qu'on n'a pas, on se jette dessus et on essaye de l'obtenir. Voilà, sur ces belles paroles, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire si vous avez apprécié ou pas, ou s'il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà, sachez que, encore une fois, moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de voir si vous avez apprécié la vidéo ou pas. N'hésitez pas donc à vous manifester. Et n'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et de soutenir ma chaîne, mes let's play, mes vidéos et moi-même, comme je vous le dis très souvent, en faisant un don, hein, sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Je vous en remercie par avance, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je vous remercie de votre présence. Et puis ben voilà, j'espère que vous passez toujours un bon moment en regardant mes vidéos. Et puis voilà, ben moi en tout cas, je passe un très bon moment en votre compagnie et franchement, je me régale à refaire ce jeu. Franchement, je me régale. Hein. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Merci encore et portez-vous bien. Ciao, ciao!